Salut, bienvenue pour cette petite vidéo geek où il faut que je change le processeur. Alors ça c'était ma carte mère et mon alimentation pour faire du minage d'Ethereum. Donc l'alimentation fait 1000 watts. Évidemment l'ordinateur on n'utilise pas autant, il utilise juste ce dont il a besoin. Et le processeur c'est un G4400, donc pas du tout assez puissant pour faire de la bureautique. Alors c'est de la DDR4, une GeForce 760, ça c'est un vieux modèle. Il y a un petit disque dur M2 de 250 Go, ça sert au système, c'est très rapide. Là, il y a un SSD de 2 Go pour les données. Et là, il y a un disque dur classique de 4 Go pour les sauvegardes de données. Et il est branché que spontanément pour sauvegarder. Puis les autres disques durs servent pas grand-chose, c'est des vieux machins. Et un lecteur CD pas branché. Alors, comment ça marche le démontage du petit ventilo? Faut tourner les petites aiguilles dans le sens indiqué. Faut un grand ordinateur hein, parce que sinon on est vite gêné par le bordel. Et j'aime pas le bordel. Et hop. Alors j'espère que ce petit ventilo sera assez efficace pour le nouveau processeur ou alors il va trop chauffer. Enfin bon, on est dans une maison en pierre donc ça chauffe beaucoup moins que dans un appart sous les greniers. Généralement pour se lancer dans le démontage de ces petits ordinateurs, faut avoir un petit tournevis de précision avec tous les petits embouts. Notamment là j'ai besoin du Torx 20 et du Torx 15 ici. Sinon le reste c'est généralement des Philips numéro 1. Très classique. On perd pas la vis. Alors je lui ai pris un petit remplaçant que j'ai commandé chez les Asiatiques. C'est un i5-7600. Soit quelque chose d'assez puissant pour un bon rapport qualité-prix. Évidemment c'est un ancien modèle, genre 2017, quelque chose par là. Et ça rentre pile poil, c'est merveilleux. Faire attention à pas tordre les pattes, sinon on va se retrouver chocolat. Hop. On replie une fois qu'on l'a vissé. Alors maintenant un peu de pâte thermique pour que ça fasse contact entre le ventilateur et le processeur. Alors faut en mettre une fine couche. On peut soit faire qu'un rond ou soit faire comme ça. Et je vais utiliser un petit médiateur en plastique pour jouer de la guitare. Hop, je retire ça. Et pour le remettre, c'est pareil, il faut mettre les flèches dans le bon sens, ou pas. En fait, la technique, c'est de les visser à l'aide d'un tournevis plat. Donc, à l'inverse de la petite flèche. Bon voilà, enfin, une fois qu'ils ont la petite flèche qui porte dans l'encoche, il faut les écraser. Pas trop fort non plus, hein, pour pas défoncer la carte mère. Celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon. Un troisième est bon. On va y arriver. Pas s'inquiéter. Et le quatrième. C'est quand même pas des fixations super efficaces. Faut le brancher évidemment pour qu'il fasse son office. En bonus, je remplace aussi la carte graphique. La 760 par une 1070. Elle est simple, ventile bien. Bon, je vais pas jouer aux jeux vidéo pour autant, mais ça peut être utile dans certains logiciels, notamment tout ce qui touche au graphisme, ou à la vidéo, ou au 3D.
Et voilà. Et en plus, ça consomme un peu moins d'énergie que l'ancienne. On l'alimente. Donc évidemment, il faut un grand boîtier pour avoir de l'espace pour pouvoir travailler dedans, parce que sinon, il y a les bêtes disques durs des fois qui rentrent en contact. Il y a des câbles de partout. Enfer. Enfin, l'étape la plus agaçante, remballer tout, vérifier que tous les câbles sont bien branchés, rebrancher tous les petits périphériques et s'assurer que ça fonctionne ou pas du tout. DVI avec DisplayPort, parce qu'il n'y a plus deux DVI sur la carte graphique, c'est plus d'actualité. On met le câble Ethernet pour la connexion au réseau, parce qu'on est bien d'accord que la Wi-Fi c'est pas très très bien. On branche les câbles USB dans le bon sens, et hop, on est bon pour pouvoir tester. Alors, premier démarrage en direct live, en espérant que ça fonctionne. Sinon je suis chocolat. Évidemment, il veut qu'on le configure à chaque fois. Bon, allez, on va dire qu'on va prendre les trucs par défaut. Parce que là, je vais changer quand même le processeur et la carte graphique d'un coup, donc ça ne doit pas lui plaire. Évidemment, ça tourne sur Arch Linux. C'est bien normal de ne pas utiliser Windows. J'ai dû recommencer, la caméra était en sueur tellement qu'il y a de performance. Donc, deuxième démarrage. Bon, ça démarre assez vite avec le SSD directement sur la carte mère. Fameux M2. Je surveille un peu les températures, mais tout se passe bien. Pour ouvrir des logiciels à la suite comme GIMP ou FreeCAD, pour faire de la conception assistée par ordi. Bon, ça va assez vite, même dans les jeux. Thank you.
enfin rock'n'roll. La méthode ultime pour refroidir tous les bons CPU.